Alors, tout a commencé, si on fait un petit retour, il y a 2 ou 3 heures au stade d'Albertville, avec pas moins de 1700 scolaires qui ont réalisé une fresque, un logo humain, le logo d'Albertville 92. Un moment magnifique avec tous ces scolaires, des jeunes, des écoles et des collèges d'Albertville qui ont réalisé cette fresque. On continue ce soir. Le programme, bah, écoutez, c'est que du festif, c'est que de la rigolade, avec musique live donc qui va continuer. Ici, un feu d'artifice annoncé à 20h30, et puis avant, bien sûr, Philippe Mazure, votre maire, à vous les Albertvillois, accompagné de Jean-Claude Killy, qui a beaucoup œuvré, bien sûr, pour l'olympisme en général et pour les Jeux de 92. Nous rejoindrons pour un petit coup de micro tout à l'heure, un petit bonjour à vous toutes et à vous tous, histoire de célébrer correctement donc cet anniversaire. Les 25 ans et puis aussi les 20 ans des Jeux Olympiques que l'on va célébrer ici tout au long de l'année qui arrive, de l'année 2012. Donc c'est un petit peu la première marche, le premier élément de nombreuses manifestations qui vont se dérouler l'année prochaine. Voilà, maintenant vous savez tout. Bon, on va vous laisser avec Music Live parce qu'ils sont énormes. Dans Music Live, hein, tout est dit, hein, c'est clair, ça joue, vous l'avez compris, en live. Au vu, ou plutôt à ce qu'on a pu entendre jusqu'à là, on a l'impression qu'ils sont capables de tout faire. Donc on va les laisser faire. Music Live! Ça va? Il y a du monde maintenant, tu dois répondre, est-ce que ça va? Ok, on va mettre de l'ambiance là-dedans, tu vas voir. Bye.
Bien, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être accompagné de Jean-Claude Killy. Jean-Claude Killy qui nous a accompagnés dès le premier jour lorsque nous avons envisagé de fêter avec toute la dignité et la festivité nécessaire cet anniversaire des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques d'Amberville, bien, c'est 20 ans, 20 ans l'année prochaine. Ça paraît beaucoup et ça paraît très peu parce que dès que nous avons commencé à travailler sur cet anniversaire, on a découvert ce qui était probable, mais ça a été vraiment vérifié, que cette date reste dans tous les esprits. Alors bien entendu, pas dans celui des jeunes qui n'étaient pas encore nés, mais les parents sont là et je pense que nous sommes en train de lancer une série de festivités qui vont se dérouler tout au cours de l'année 2012 avec bien l'aide extrêmement efficace de Jean-Claude Killy et Michel Barnier, hein, qui s'excuse, qui aurait bien aimé être parmi nous aujourd'hui. On a encore reçu des SMS il n'y a pas très longtemps. Michel Barnier qui est pris, qui est retenu à Bruxelles hein, pour ses responsabilités de commissaire européen. Voilà. Donc il sera là parmi nous le 8 février, hein, ça il y tient absolument. Le 8 février, nous fêterons les 20 ans de l'ouverture des Jeux Olympiques, qui est dans la mémoire de tous Algériens, Savoyards, Français, et même au niveau international, tous les gens se rappellent de cette cérémonie et la citent en exemple. Ce soir, donc, nous allons fêter surtout les bénévoles, les acteurs du COJO, bien sûr, et tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cet événement qui marque l'histoire hein, d'Albertville. Je pense que cet événement des JO de 92 restera marqué dans l'histoire pour longtemps. Ce soir, ce sont les 25 ans de la sélection d'Albertville. Et là aussi, eh bien, lorsque nous avons commencé à travailler sur les 20 ans des Jeux, nous avons découvert que les 25 ans, c'était aussi une étape extrêmement importante. Alors, importante pour tous les bénévoles, importante pour tous les Albertvillois. Et je pense qu'un certain nombre de ceux qui ont eu la chance de vivre cet événement, eh bien, pourront prendre la parole tout à l'heure. Nous avons cet après-midi organisé, ce qui a été évoqué, un logo humain dans le stade olympique avec la participation de près de 1700 élèves, des élèves donc qui n'ont pas connu cette période-là et qui ainsi vont la découvrir au travers des discussions qu'ils ont pu avoir avec leurs professeurs, mais également dans les familles. Et ce que nous souhaitons, c'est que si tous ces rappels d'événements festifs ne soient pas empreints de nostalgie, mais au contraire, soient ouverts sur l'avenir. Hein, nous avons un territoire merveilleux qui a beaucoup de potentialités. Ces potentialités, nous sommes en train de les mettre en valeur au travers des réflexions qui sont menées dans le cadre du SCOT et bien d'autres activités. Et donc, ce que nous souhaitons, eh bien, c'est de mettre en avant Albertville, le bassin, la Tarentaise, parce que toutes les stations, les sites olympiques participeront aux événements de l'année prochaine. Et puis, c'est toute la Savoie hein, qui est honorée et qui sera mise en avant vers l'avenir. Je crois que c'est un message que Jean-Claude Killy et Michel Barnier ont porté tout de suite. Pas de nostalgie, de l'ambition
vers l'avenir. Voilà, nous allons rassembler tous les bénévoles et puis les partenaires du Pojo qui ont travaillé à la réussite des Jeux Olympiques il y a 20 ans, voire un peu plus, parce qu'il y a eu un énorme travail de préparation. Je laisse la parole à Jean-Claude Killy immédiatement, et puis après, nous nous réunirons pour faire une photo souvenir pour honorer tous ceux qui ont participé donc au succès des Jeux Olympiques. De très grandes fêtes pour vous tous, et puis tous mes remerciements. Je n'ai pas eu la chance de connaître cette merveilleuse période, mais je suis très heureux d'être un petit peu un facilitateur ce soir pour mettre en avant tous ces liens sociaux qui se sont créés et qui se sont maintenus, parce que les bénévoles du 92, eh bien, ils nous sont extrêmement utiles encore aujourd'hui et dans les jours qui viennent avec le Grand Louvois. Voilà, merci à tous et bonne fête pour ce soir et pour l'année prochaine. Oui, merci Philippe. Une petite anecdote, si vous voulez bien, qui me remplit d'humilité. 1650 jeunes ont dessiné le logo sur le stade d'athlétisme. Et quand ils se sont retrouvés en place, on m'a demandé de me mettre au milieu. Et donc je me suis assis à côté de deux gamins qui devaient avoir 9 ans ou 10 ans. Et ils sont tous les deux retournés vers moi en disant: telle mère, toi? L'humilité. Tout d'abord, c'est une soirée magnifique. J'en suis très ému. C'est aussi une occasion formidable de dire merci. Merci à la mairie d'Albertville et à son maire, de Mazur, d'avoir simplement mis en place cet événement des 25 ans, parce que, ma foi, 25 ans, c'est quand même long. Lui dire donc un vrai chaleureux merci. Dire aussi aux 8300 volontaires, ce que j'avais déjà fait à l'époque, mais en 25 ans, ils peuvent avoir oublié, qu'il est impossible aujourd'hui, comme hier, comme avant-hier, d'organiser un grand événement sportif planétaire comme celui-ci, ou un événement quel qu'il soit d'ailleurs, sans les volontaires. Donc je voulais encore leur redire que sans eux, ça n'aurait pas été possible. Alors évidemment, on parle de 15 jours d'une fête absolument somptueuse. Elle l'a été, cette fête. On parle de l'héritage. Et là, je ne vais pas vous faire la liste de tout ce que les Jeux ont laissé derrière eux. Mais l'olympisme, ce n'est pas 15 jours de Jeux olympiques. C'est un jeu de valeurs aussi qui me semble absolument primordial. Ce sont des valeurs que vous retrouverez dans la société civile, si vous les regardez bien. Ce sont des valeurs de partage, ce sont des valeurs du goût de l'effort, par exemple, ou du respect de l'autre, de l'esprit d'équipe, du goût de l'effort. C'est un peu la description de la société telle qu'on la voudrait. Et donc, les Jeux Olympiques, ou l'olympisme, a cette capacité à rappeler au monde, puisque tu l'as dit Philippe, il y avait 2 milliards de personnes qui regardaient la cérémonie d'ouverture à Berville, 2 milliards, ce message formidable des valeurs, c'est le seul, c'est unique, et c'est pour cette raison que nous sommes vraiment très attachés à cette entité olympique. Et donc mes remerciements sont d'autant plus chaleureux qu'ils sont une projection vers l'avenir. Nostalgie, pas du tout. Nous constatons que ces jeunes qui ont entre, je pense, 9 ans et 12 ans, sont ceux qui ont repris déjà le flambeau, parce que, en tout cas pour moi, c'est un peu terminé. Et dans ce flambeau, il y a le sport évidemment, mais il y a surtout ce que je viens de vous dire, les valeurs. Donc merci pour tout cela. Merci à tous ceux qui... Il y avait 24 000 personnes qui travaillaient pendant les 15 jours des Jeux Olympiques. Merci à ces 24 000 personnes. Je ne les ai pas toutes comptées, mais c'est le chiffre. Pour avoir projeté ce territoire dans l'avenir, en somme. Et cet avenir, on le vit aujourd'hui, on le vit au quotidien, 25 ans après. En fait, pour Michel Barnier et moi, ça avait commencé 30 ans avant.
en décembre 81, quand nous avons fait notre première conférence de presse. Donc nous sommes passés de 2 à 24 000. Et deux semaines après les Jeux Olympiques, le téléphone a arrêté de sonner, ce qui ne dérangeait pas plus que ça d'ailleurs. Enfin, il faut savoir que la vie est ainsi et que ça a été une période pour tous ceux qui ont été le maire d'Albertville de l'époque, par exemple, M. Dujol, tous ceux qui ont été impliqués, un moment de vie absolument merveilleux. Alors, je ne le décris pas plus qu'il l'était, mais enfin, je crois qu'il était quand même tout cela. Et donc, merci à Albertville aussi pour venir un peu large, parce que, comme pour les volontaires, sans Albertville, sans toutes les stations qui étaient autour et qui ont marché comme un seul homme quand on leur a proposé le programme, la dernière fois, ça n'aurait pas été possible. Et je suis dans l'organisation des événements sportifs depuis. Et c'est peut-être une fois que ça avait porté ses fruits, que j'avais appris quelque chose. Celui-ci dont on parle, pour lequel nous sommes réunis ce soir, a été un événement absolument extraordinaire. Il faut quand même que vous sachiez, puisque je suis encore au CIO, que la référence pour les cérémonies d'ouverture, c'est toujours Albertville. Il y a eu l'avant Albertville, et puis il y a eu l'après Albertville. C'est quand même pas mal pour... Et c'est aussi le reflet de ce qu'était la France à ce moment-là, ce qu'elle est toujours d'ailleurs, une espèce d'identité culturelle rayonnante absolument fantastique, et aussi capable de surprendre tout le monde, puisque en organisant magnifiquement un événement comme celui-ci, puisque le plus grand compliment que l'on nous ait fait à Michel et à moi à la sortie, et donc aux 24 000 personnes, plus tous les autres, ça a été de dire c'était une fête à la française et une organisation à la hollande. C'était le plus beau compliment qu'on nous ait jamais fait. Voilà. Merci d'être ici. Je vous donne rendez-vous dans 25 ans. J'espère qu'on sera encore là pour célébrer ça. Merci beaucoup. Formidable. Le 8 février, me rappelle-t-il, soyez là le 8 février, parce que le 8 février, c'était le premier jour des Jeux Olympiques. Merci beaucoup. Bravo! Bravo! Merci, merci beaucoup. Voilà, tout à fait. Donc, on va profiter évidemment de la présence, donc non pas des 24 000 personnes présentes pendant ces 15 jours absolument incroyables, mais certains sont venus ce soir, ont revêtu d'ailleurs cette tenue qui a aussi marqué un petit peu les esprits parce qu'elle était à l'époque réellement futuriste et très novatrice. Donc, ben voilà, on va demander à tous les bénévoles de l'époque qui sont présents ce soir, qui ont pu se libérer ce soir pour être avec nous, bien, de s'approcher un petit peu. Entre la scène et le devant de la scène, hein, voilà, parce que qui nous donne aussi des choses formidables. De l'autre côté, on vous fait pas la tête, hein, mais tiens, je vais traverser moi, je vais essayer par là pour aller chercher des souvenirs de l'autre côté. Qui on a, qui nous donne une aventure, une rencontre, un moment, un temps fort dans cette quinzaine ou ailleurs. Merci. Je suis un volontaire de la première heure, de 82 aussi. Ouais. Ça n'a pas été toujours facile, cette candidature. Et je le dis là en présence de Jean-Claude, parce qu'au démarrage, on nous disait dans la ville, j'étais élu à l'époque, on disait, mais c'est le pot de terre contre le pot de fer. La candidature française, c'est Paris. C'est pas Albertville, vous n'y arriverez jamais. Alors j'expliquais que la géopolitique du CIO était différente et que c'est pas à Paris qu'on déciderait. On me comprenait plus ou moins. Alors j'avais trouvé une astuce, j'ai dit, écoutez, tant que vous verrez la voiture de Jean-Claude qui vit dans la mairie, c'est qu'on sera dans la course. Eh bien, je peux vous dire ce soir qu'on est encore dans la course, parce que la voiture, elle n'est pas devant, elle est derrière, je l'ai vu. Mais on est encore dans la course, c'est assez fantastique. Alors, on pourrait dire beaucoup trop de choses, mais je vais essayer de me concentrer sur mon impression du 17, parce que j'ai pas vécu le 17 ici, j'étais à Lausanne avec l'équipe, et avec Henri Dujol, on s'était partagé les rôles, il était revenu parmi vous. J'étais resté là-bas pour remercier les membres du CIO qui nous avaient fait cette joie immense. Et si vous voulez, il s'est passé tellement de choses. Sarajevo avec Barnier, Sarajevo avec Dujol et tous les maires des stations, 4-3 déjà, qui nous ont appris à Sarajevo le marketing. Sarajevo avec Barnier qui
courait d'hôtel en hôtel avec une lettre du président Mitterrand qui nous supportait alors que ses ministres ne nous aimaient pas beaucoup. Et puis toute cette candidature jusque à tous les enfants, les 3000 enfants, c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est très beau ce qui s'est passé. C'est très beau parce qu'en fait je pense que c'est le futur qui éclaire le passé et qui donne un sens à ce que nous avons fait pendant cette période. Et bravo à ceux qui aujourd'hui réunissent ces 1700 jeunes pour leur faire comprendre. Les 3000 à Lausanne. Hein. On avait un peu joué sur notre avance pour encourager ou d'autres, c'était plus dur d'aller à Lausanne avec 3000 jeunes. Et derrière, il y avait le film de Robert Enrico. Quand ce film s'est arrêté, les membres du CIO étaient émus aux larmes. Et à ce moment-là, ils ont tous parlé. Jacques Chirac, Michel Barnier, puis ensuite Jean-Claude Killy qui a dit. Je ne dirai pas plus qu'à ce qu'a dit Michel Barnier. Mais maintenant, je vais vous parler de vous et à travers vous de l'Olympus. Il continuait. Je vous ai connu à 5 ans. Henri Oreiller rentrait à Val-d'Isère avec ses 2 médailles. C'était un héros. J'en passe. Et c'était pour dire le petit Zébulon. Il avait l'âge que j'avais moi quand j'ai gagné à Grenoble. Le petit Zébulon, c'est le petit garçon du film. J'espère que vous le verrez un jour ou l'autre quand vous avez un moment. Ce fameux film de Robert Enrico qui a joué aussi beaucoup dans la victoire. Et ce petit signe qui nous a amené au 17 octobre. Et je vais m'arrêter sur le 17 octobre, je m'explique, c'est pas plus long. Mais c'est 20-30 ans de notre vie quand on essaye de venir là. Le matin, j'allais à Pieux, au centre, avec Jean Percoran. Et je me souviens tout le temps qu'il s'est arrêté, il y avait devant moi une ménagère de Lausanne qui faisait son marché. Il a ralenti pour que son propos reste discret. Parce que pendant toute cette candidature, il faut savoir que nous, les hommes de l'ombre, c'était la discrétion pour arriver au résultat. Et il voulait me dire une chose sur les derniers accords que plus ou moins il avait négocié avec tel ou tel membre du CIO des pays arabes. Et il a réservé son message. Et ensuite, nous sommes rentrés dans cette salle, plus d'une heure d'attente, à côté de Barcelone. Barcelone et Albertville. C'était un signe parce que si Albertville était le premier pour les Jeux d'hiver, Barcelone n'était pas le premier pour les Jeux d'été puisqu'il y a aussi Amsterdam en alphabétique. Donc c'était un petit signe. Ensuite les membres du CIO rentrent et à peu près un quart d'heure avant que Samaranch ne parle d'Albertville puisqu'il a parlé des Jeux d'avant, certains des membres du CIO avec lesquels nous avions une connivence et nous font un petit signe que nous avions gagné. Ça. Effectivement rassuré, mais il fallait le mot, il fallait Albertville. Et alors à ce moment-là, ça a été, on a plus en peur. Bien entendu, Jean-Claude, qui n'avait pas le dossard 14, est quand même parti le premier. Il a bondi, il a fait un départ à la Chambrousse, et on a suivi en apesanteur, en pensant à ce qu'on avait apporté à cette région, en pensant à nos enfants, à nos pâtes, à notre famille. C'est des moments absolument indescriptibles que nous avons vécu à ce moment-là. Le seul regret que j'ai eu, c'est de ne pas être là. Mais vous m'avez, 25 ans après, permis de le redire et d'associer, à travers ce que je vous dis, tous les maires des stations, Rang du Jol, Bergy Bello, etc. Tous ceux qui, autour de nos deux vedettes, ont mené cette candidature. Merci.
Thank you.